Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, la vidéo qui va suivre ne fait que 3 minutes 43. Bien que je ne sorte qu'en mer, qu'en sécurité, et après avoir consulté différents sites de météo marine, je ne suis pas à l'abri d'un changement brutal de la force du vent et de son orientation. Et bien évidemment, c'est ce qui m'est arrivé au cours de ma dernière sortie. Passant l'espace de quelques minutes de ouest faible à nord-ouest fort, j'ai décidé de rentrer à terre. En l'espace de ces quelques minutes, la mer a changé radicalement et des rouleaux se sont formés sur le bord. La caméra écrase un peu l'image, vous savez, hein, c'est un phénomène bien connu. Donc je suis rentré rapidement en respectant bien sûr le balisage de plage et en choisissant l'endroit le plus approprié pour débarquer. Dans les 300 mètres du chenal, je suis travers aux vagues, puis à 150 mètres dans l'axe des rouleaux. Il faut toujours avoir le regard vers les vagues qui arrivent, puis dans l'axe, le regard vers l'arrière pour voir arriver les fameux rouleaux. Vous allez donc découvrir ma technique de blocage pour maintenir mon kayak Abaco de chez RTM de 4,20 m afin qu'il ne se mette pas en travers lorsque mon kayak part en surf sur les rouleaux. Quand je sens qu'il commence à se désaxer dans le surf, j'effectue un bloc léger pour que ça avance toujours, le surf se produise toujours, avec ma pagaie. Donc bon visionnage de cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt sur l'eau. Nous sommes toujours à Anel. Chaud patate, le retour.